suis à Calenzana, au point de départ du GR20, que je vais attaquer demain matin. Demain matin, 8h, c'est parti pour 10 jours de rando sur les sentiers corses. Avec un suivi GPS grâce à Waka, qui permet de sécuriser mes proches pour qu'ils puissent me suivre sur tout le parcours. Et donc, merci à eux. Et voilà, donc magnifique aventure qui va commencer demain. J'ai hâte. Allez, à demain. Allez, ça y est, c'est parti. Première étape aujourd'hui. Première étape simple. Donc, du coup, 11 km, 1400 dénivelé. Normalement, 6h30 de marche. On est arrivé à Refuge d'Ortou. Voilà. Ça y est, c'est parti. Voilà, c'est l'arrivée au refuge d'Ortou. Il est midi et demi, donc j'arrive avec beaucoup d'avance. Parce que je suis parti il y a 4h30, le trajet était prévu en 6h30, c'est 2h d'avance. Donc première étape validée. On verra ce qu'on fait, si je continue ou si je reste là, mais il y a de fortes chances que je reste là, parce qu'il y a une belle vue pour le coucher de soleil ce soir. Voilà. Donc voilà, première étape faite. Et voilà, donc fin de la première journée. Avec un beau sunset quand même. Premier beau sunset du séjour. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc demain, grosse journée qui m'attend. Donc lever 5h pour un départ à 6h, je pense, à la frontale. Parce que demain, il y a deux étapes bien techniques. Pas très longues, hein, 15 km a priori, mais il paraît que faut prendre du temps. Donc voilà. Donc j'attends la fin de ce petit coucher. De dos. Allez, à demain. Qui nous a amené ici à la station d'Asco, qui est une station de ski. Donc, vous voyez, le temps est bien couvert. Il ne fait pas trop chaud, ça c'est cool. Voilà, une belle journée, hein, costaud physiquement, mais qui s'est super bien passé parce que je l'ai passé en 7 heures alors que je pensais le faire en 8h à 8h30 et qu'à la base ça allait annoncer en 12. Donc j'ai bien torché. J'ai croisé
quelques gens sympas sur la route, un Belge et deux Suisses d'ailleurs, avec qui je repars sûrement demain. Voilà, donc demain, belle journée aussi, plus petite, 10 km, avec 1200 de dénivelé, qui devrait nous amener à une bergerie de Bellone, je crois qu'elle s'appelle, et en passant par la Monte Cinto, sommet le plus haut de Corse, donc c'est pour demain. J'ai hâte, donc là, bah, il est 19h30, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher, parce que je suis bien rempli. Voilà. Allez, ciao. Validé. Allez, fin du jour 3, ici à la bergerie Ballonne. Encore un gros chantier, on a encore bouffé que des cailloux. Mais le Monte Cinto est validé, ça c'est fait. Donc ça y est, je suis passé par le plus haut sommet de Corse. Et bah, j'ai fait les deux étapes les plus dures, hein, techniquement. Donc ça devrait bien se passer. Voilà, on va profiter de l'après-midi parce que je suis arrivé ici à 14h30. Et puis de la soirée, ça a l'air bien cool, plus sympa que dans d'autres villes. Puis demain, bah de nouveau, grosse étape. Sympa comme paysage pour le départ, non? Bon, et ben départ du jour 4. Avec le même rituel. Départ 6h, 6h15, 6h20. Là, j'ai un peu plus traîné. La tente était mouillée au réveil. J'ai essayé de la sécher un peu. Voilà, une longue étape en kilomètres. Mais... on change de décor, vous voyez, un peu de forêt qui apparaît, et voilà, donc longue en kilomètres, pas beaucoup de dénivelé, donc à mon avis ça va tracer. Voilà, encore une belle journée en perspective. Ça, c'est la vallée que je viens de descendre ce matin. Je me réfugiais là-bas et ensuite je suis descendu là. Et là, on a le Monte Cinto, enfin, je crois que c'est celui-là où j'étais hier. Donc, on est passé par là, derrière, et hop, 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 hop. Voilà. Et puis ça repart là-bas. Ça y est, c'est la fin de l'étape, fin du jour 4. J'arrive finalement, j'ai dépassé la bergerie qui vient d'arrêter. C'est ce qu'on refuge Manganou. Pour deux raisons. La première, c'est que la bergerie en question a plutôt mauvaise réputation. Tous ceux qui m'en ont parlé m'ont dit que c'était pas génial en termes d'accueil. Là, quand on est passé, il n'y avait personne. Voilà. Et deuxième raison, c'est que depuis le début de la journée, je me croise avec
un groupe de rennais là. Et bah, du coup je reste avec eux. Voilà. Et ils vont jusqu'au refuge, donc je pense que l'ambiance sera plus sympa ce soir. Ciel un peu couvert ce matin, au départ du cinquième jour. Petite étape aujourd'hui, après les 30 et quelques kilomètres d'hier. Petite étape. Alors je ne sais plus exactement combien, parce que vu que je me suis arrêté après ce que je pensais, du coup il me reste un peu moins qu'à la base, mais en gros il me reste, j'ai 5-6 heures de marche pour arriver au refuge. Ça annonce un peu d'orage, mais un peu comme tous les jours, parce que là c'est un peu plus couvert. Donc on va voir, mais l'idée c'est de se poser à partir de midi 13h au refuge. Voilà. Et sinon tout va bien, c'est génial. Belle soupe de cailloux là. Hein, les montagnons, ça vous rappelle des trucs? Hein? Finalement, c'était un bon entraînement pour moi la dernière fois. Et voilà, le jour 5 est bien terminé. Bah, ce fut une toute petite journée parce que j'ai fini à 10h30. Donc, en gros, un peu plus de 4h, 4h30 de marche aujourd'hui. Puis après, repos. Ça a été la journée repos, donc bien cool. Aussi, ici à Petra Piana, le refuge est super cool. Il y a de la musique corse depuis tout à l'heure. Bref, l'endroit est magnifique. Voilà. Donc, belle étape repos. Et avant d'attaquer demain, une nouvelle doublette avec probablement deux variantes. On va voir ça demain, si on voit la météo. Voilà pourquoi j'ai pas pris les crêtes ce matin. Bon, il y avait un petit passage à faire par les crêtes pour démarrer la journée et pour potentiellement gagner une heure. Mais alors, des orages tout autour, du vent là-haut, donc je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Voilà, donc je démarre ma journée comme prévu, toujours à 6h, direction Visavon. Visavon qui sera la mi-parcours. Voilà, on est en montée d'Oro, 2300 mètres. Yeah! Incroyable. Et oui, elle est où la tente? Eh bien, elle est pas là. Bon, voilà, je suis à Visavon, donc je suis à mi-parcours. Et à mi-parcours, je me suis dit, je me fais une nuit dans un vrai lit. Et puis, j'ai du bol, parce que je suis à rien dans un refuge où il n'y a personne. Donc, je suis tout seul à dormir dans ce grand dortoir. Donc, ça va être nickel. J'aurai personne qui va me gêner. Et voilà, donc mi-parcours, ça c'est fait.
En 6 jours, donc il reste plus que 4 jours. Et en gros, donc double étape demain, une simple après et deux doubles. Voilà ce qui me reste. Voilà, encore une très très belle étape avec le Monte d'Oro, donc le deuxième sommet. Et le troisième, ce sera pour demain, le Monte Renoso. Et puis voilà, l'aventure continue et c'est une très belle aventure. À demain! On est passé là-bas. Et ça, c'est le Monte d'Oro que j'ai fait hier. Et voilà, arrivée de l'étape, longue étape, et enfin arrivé, ça fait du bien. Au col de Verde, en passant par le Monte Renoso, j'ai un peu galéré parce que c'était mal balisé sur la fin. Et voilà, une bonne étape de 30 km en 10h30 quand même. Voilà, la bière va faire plaisir. Allez. Allez, départ du jour 8. Eh ben, ça fait bizarre de se dire qu'on a plus que 3 jours. Je sais pas, j'ai une espèce de nostalgie qui arrive en me disant bon, plus que 3 jours. En fait, le temps est passé très vite. Les 3 premiers jours, ouais, tu le vois bien. Et après, jour 4 et jour 8, c'est passé une vitesse folle. Donc voilà. Sinon, ce matin, je suis parti un peu plus tard, à 7h, parce que l'étape est un peu plus courte, donc j'ai dormi un peu plus, histoire de partir sans la frontale. Et voilà, donc une étape, une simple étape, je double pas aujourd'hui, à part un peu la liaison entre là où j'ai dormi et le refuge Prati, et je devrais arriver à Uchulu d'ici, je sais pas, 6h je pense, 6h de marche aujourd'hui. Voilà, et puis on commence comme d'hab dans le sud, dans la forêt. C'est très forêt le sud, hein, par rapport au nord qui est très très minéral. Voilà, allez, go! On est bien dans le Corse, ouais. Bon, ben voilà, encore une étape bien passée. Je suis arrivé à 14h ici, donc une étape de 7h à peu près. Voilà, c'est ça. Étape de 7h, voilà, bien fatigante avec deux montées. De toute façon, je pense que maintenant tout sera fatigant parce que ça commence à tirer un peu. Mais voilà, donc là, je vais chercher un petit saucisson pour l'apéro, des bières. Et on va se caler avant le repas qui est à 18h30. Et oui, on mange comme des poules dans la montagne corse. Mais avec la musique.
Pas mal, hein? Bon, c'est parti pour l'avant-dernière journée. Ça fait hyper bizarre de se dire ça. Que c'est déjà presque fini. Donc, jour 8. Ça démarre du refuge d'Utiolo jusqu'au refuge d'Assino. Donc, étape double. Voilà, avec soit l'option étape normale du GR20, soit option variante qui est en fait l'ancien tracé du GR20. Ça je verrai plus tard dans la journée. Pour l'instant je profite de ça. Voilà. Dingue. C'est parti pour la dernière journée. Ça y est, nous sommes au 10e jour. Je viens de partir du refuge d'Assinao jusqu'à Conca en passant par les aiguilles de Bavela. Voilà, je crois que j'ai pas fait de débrief hier soir. Donc. Hier c'était une belle étape, j'étais plutôt en canne. Je suis passé par le nouveau GR qui est franchement pas terrible. Hier soir, on discutait avec le gardien du refuge. Qui nous expliquait que c'était. Ça a été rajouté un peu. Pas comme ça quoi. Hein? Donc voilà. Mais bon, sinon, je suis arrivé assez tôt. Hein. Je suis arrivé à 14h au refuge. Donc j'ai pu me poser tranquillement. Voilà, et puis du coup aujourd'hui on attaque la dernière. C'est bizarre. Et du coup je la fais avec mes potes marseillais là. Avec Yann et Nolwenn, qui sont juste derrière. Voilà, pour faire la dernière étape ensemble. Donc Yann et Nolwenn, je les ai croisés je crois au 3e jour. Ou au 4e, je ne sais plus. Et voilà, on n'arrêtait pas de se suivre. Donc, à sympathiser, ils sont bien cool. Voilà, c'est parti.
Ça sent l'arrivée. Ça sent l'arrivée. L'arrivée à Conca est là. Et ben voilà. Ce petit séjour qui se termine. Ce gros séjour qui se termine. Ce gros jardin. Bah, ça aurait été une expérience formidable à différents points de vue. Ah, parce que j'étais tout seul et que je devais le faire avec mon frère, donc pas mal d'appréhension au départ, de tristesse de partager ça avec lui. Et au final, une aventure humaine et sportive incroyable, où j'ai rencontré plein de gens géniaux, plein de gens... Enfin, on était tous dans le même état d'esprit d'entraide, de bienveillance, de partage, de nature. Enfin, voilà, c'était juste magique. Voilà, donc, à bientôt pour une autre aventure.